Quatrième jour, Marie, femme amoureuse. Marie est une femme entièrement amoureuse du véritable amour. Avec passion et joie, elle a pu consacrer toute sa vie à l'amour qui mérite pleinement ce nom, en exécutant la danse de la vie. En la regardant, nous pouvons distinguer l'amour de ses contrefaçons et avoir les idées claires dans un domaine important de notre vie à partir de la sienne. I love you, je t'aime, eu amo você, te quiero, ti amo, insomma. Io non so se ai tempi. Je ne sais pas si à l'époque de Marie on utilisait les mêmes messages d'amour, tendres comme des jaculatoires et rapides comme des graffitis, que les filles d'aujourd'hui gravent furtivement sur les murs ou sur les sacs à dos colorés de leurs camarades d'école. Marie a, elle aussi, connu cette merveilleuse période de l'existence, faite d'émerveillement et de larmes, d'émotions fortes et de doutes, de tendresse et d'inquiétude. Elle a aussi goûté à la joie des rencontres, à l'attente des fêtes, à l'élan de l'amitié, à l'ivresse de la danse, au bonheur d'une nouvelle robe. Elle grandissait comme une amphore sous les mains du potier. Et chacun s'interrogeait sur le mystère de cette transparence sans crasse et de cette fraîcheur sans ombre. Un soir, un garçon nommé Joseph prend son courage à deux mains et lui déclare « Marie, je t'aime ». Elle lui répondit aussi vite qu'un frisson « Moi aussi ». Et dans ses yeux se reflètent toutes les étoiles du firmament. Pour nous, l'amour humain que nous vivons est comme l'eau d'une citerne. Très clair, certes, mais avec beaucoup de débris au fond. Il suffit d'un rien pour que le fond trouble s'agite et que l'eau devienne trouble. Pour vous, non. Nous n'avons jamais pu comprendre que l'amour de Marie n'avait pas de résidus sombres, parce que le sien était un puits sans fond, limpide jusqu'à l'essence de son âme. Nancy est née avec une maladie grave. À l'âge de 9 ans, elle avait subi de nombreuses opérations qui l'avaient obligée à se déplacer en fauteuil roulant. Chaque opération a coûté à Nancy des souffrances aiguës, mais le sourire est toujours revenu sur ses lèvres. Sa maison était toujours pleine de petits amis. Elle aimait les glaces, le Coca-Cola, les disques et les chansons qu'elle accompagnait de sa petite voix fluette, en riant et en tapant des mains. Mais ce qu'elle aimait le plus, c'était la joie des autres. Elle donnait tout ce qu'elle avait pour que les gens autour d'elle soient heureux. Elle donnait sa poupée, sa guitare, ses livres préférés, ses figurines de porcelaine. Elle donnait d'un geste vif, spontané, soudain. Un jour, Nancy a supplié sa mère d'apporter son canari bien-aimé à une femme qui était très triste de la mort d'un de ses oiseaux. En revenant, la mère a trouvé le bébé en train de pleurer près de la cage vide. « Mais pourquoi voulais-tu le donner si tu l'aimais tant ?»« Oh maman, c'est parce que je l'aimais tellement. » Alors j'ai donné tout mon amour à la vieille dame. Vive Jésus, je suis Louise et j'ai appris cette salutation en étant toujours avec mes sœurs salésiennes de Don Bosco et de Marie Auxiliatrice. Depuis mon enfance, dans une famille religieuse, j'ai toujours fréquenté l'oratoire. Et avec l'oratoire, tout ce que l'on apprend en grandissant avec des valeurs morales et importantes pour la vie, qui nous aident toujours à bien nous comporter envers nous-mêmes et envers notre prochain. Mais religieuse,
si nombreuses, était presque spirituelle pour moi, parce qu'auprès d'elle, j'ai trouvé la confiance, j'ai trouvé la parole et le soutien moral dans les moments difficiles. C'est comme ça, j'ai toujours grandi dans une société où il y a des difficultés et des bonnes choses, et avec ces difficultés, ma mère était une ancienne élève. J'ai fait partie, comme elle, de l'association des anciens élèves, et en tant qu'ancienne élève, j'ai aussi été une aide sociale dans ma petite communauté. Du temps de ma mère, une ancienne élève a fondé le Centre pour la vie, parce que toutes les époques ont présenté des difficultés pour les valeurs de la vie et pour aider les mères en difficulté à ne pas abandonner leurs enfants ou à les réconforter dans le besoin. Ce centre aide précisément ces mères qui viennent encore de partout et nous les aidons en les suivant. Comme ils arrivent en tant que nouveau-nés, tout ce dont nous avons besoin, c'est de layettes, d'une aide morale, d'un soutien, d'une aide à leur famille. Et avec moi, il y a d'autres collègues, parce que notre fondation des anciens élèves travaille dans de nombreuses petites régions. Ce comportement, du moins en ce qui me concerne, est dû précisément à l'enseignement que j'ai reçu de mes sœurs. Parce qu'elles vous aident à voir dans votre voisin un frère, une personne dans le besoin. Et lorsqu'elle te demande d'être présente, j'essaie toujours de l'être à ma manière, ne serait-ce que par une pensée, un accompagnement, quelque chose qui peut être un soutien. Tout cela est fait avec joie, avec amour, parce que notre préparation religieuse n'a pas de but. Elle est juste faite avec un esprit sincère, sans aucune préparation. Quand on vous demande quelque chose, on le fait spontanément, parce que ça vient du cœur. Prière. Aimer, voix du verbe mourir, signifie se décentrer, sortir de soi. Donner sans demander, être discret jusqu'au silence. Souffrir de faire tomber la balance de l'égoïsme. S'effacer lorsque la tranquillité d'un foyer est menacée. Désirer le bonheur de l'autre, respecter son destin. Et disparaître lorsqu'on se rend compte que l'on perturbe sa mission. Sainte Marie, femme d'amour, apprends-nous à aimer.